C'est toi qui as tué. Ferme-la! Tout Non, non, simplement! non. T'as jamais été là pour elle. Tais-toi, je t'ai dit! Mais t'es un grand malade, toi! De toute façon, je me casse! Rassemblez tout le monde, avec sa soupe. Messieurs? Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire où est-ce que vous étiez lorsque ma fille est morte? Hein? Est-ce que l'un d'entre vous peut me le dire? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir des incompétents comme vous? Toujours en train de parler pour rien dire celui-là. Qu'as-tu dit? Tu sais qu'être mon neveu ne veut pas dire que t'as tous les privilèges. Vous deux, dehors. Je pourrais prendre pour avoir une discussion. Tu commences à manquer de respect envers tes supérieurs. Ferme-la! Ferme-la! C'est moi qui parle ici, t'as compris? T'as compris? Alors dis-moi, tu étais dans ta zone, oui ou pas, ce soir-là? Les hommes m'ont dit que tu as mis du temps à effectuer les transactions. Qu'est-ce que t'as foutu? Bah, le client voulait juste un cigare, donc ça a pris du temps. Ferme-la avec tes excuses! Je répète, qu'as-tu fait ce soir-là? Putain, arrête de me suspecter, je suis ton neveu quand même. Si j'entends la moindre trahison de ta part, que tu sois mon neveu ou pas, tu y passes. Est-ce que j'ai été clair? Allez, maintenant, dehors. Ouais. Ouais, le lieu m'a dans le collimateur. C'est pas prudent. Ouais, je sais, je sais. Mais si je me fais choper, je suis mort. Ouais, mais... Prends trop de haut. Ouais, il faut que j'arrive à calmer les tensions un peu, là. Tu fais quoi ici, là? Faut qu'on parle. Allez, entre. Allez, avance. Et assieds-toi. Bon, t'arrêtes de mentir maintenant et tu vas m'expliquer qu'est-ce que tu fous dans ma mafia. Bah, je travaille pour toi, enfin, tu sais très bien ça. Non, je te parle pas de ça, je te parle de mes cachotteries que tu fais derrière mon dos. Bah, comme quoi? Je te parle de l'appel d'hier, tout ce que j'ai entendu. Non, mais ça, c'était un petit appel de rien, hein. Faut pas besoin de faire tout un plat, là. Mais on peut s'arranger, si tu veux. Et on peut trouver un arrangement sur la mort de ma fille. Tu sais que ça va mal finir. Quoi? T'es vraiment un fils de pute. Thank you.
Mon cher père, si tu lis cette lettre, c'est que je suis partie dans le ciel. Je voulais que tu me voies, mais tu me regardais jamais. Et les fois où tu me regardais, il n'y avait que de la haine et du dégoût dans ton regard. Maman pleure. Elle pleure souvent à la maison quand tu n'es pas là. Et quand tu es là, vous vous criez dessus. Alors j'ai compris. J'étais un fardeau pour vous. Je suis la source de vos problèmes, de vos malheurs, tristesse et colère. Je suis l'erreur qui entrave votre amour. Vous ne m'avez jamais aimé, mais moi je vous aime. Adieu, Père. I promise you this, I'll always look out.